Bonjour, cher journal, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je continue à me reposer. Enfin, j'essaye de comprendre la signification de ce mot. Depuis que je t'ai quitté, la maison s'est un peu vidée. Mais avant de nous quitter, on a fait quelques activités de printemps, comme le barbecue ou les vides-greniers. On en a fait un très chouette avec beaucoup d'objets anciens. J'ai notamment trouvé une théière anglaise et quelques petits trésors. Dont une poupée que je connais déjà. J'ai la même dans mon atelier. Mais bon, pour 2 euros, j'avais pas envie de l'abandonner. J'ai aussi trouvé chez un couple de Parisiens des petits jouets allemands très, très mignons. Lorsque je t'ai quitté la semaine dernière, je te disais que j'étais allée en friperie avec ma cadette et son copain. J'ai rien trouvé. Généralement, je ne trouve rien dans cette friperie, enfin, comme vêtements. Mais j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. Et puis cette fois-ci, pour une fois, j'ai trouvé un plaid en crochet. Ensuite, quand la maison s'est complètement vidée, j'ai fait une orgie de vidéos sur YouTube. Ça faisait du bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et avec l'orgie de vidéos sur YouTube, j'ai fait une orgie de projets créatifs. J'ai même essayé le culte Yugo, mais on va dire que la marge de progression est grande. Et puis, comme le mot se reposer n'était pas dans mon vocabulaire, je suis retournée dans mon atelier. J'ai même créé une nouvelle poupée. Mais bon, ça, je t'en parlerai plus tard. Voilà, je te laisse et je te dis à bientôt.